Madame et messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Ça va dépendre de qui est qui côté ou pas regarder la vidéo ça. Nous disons bonjour, bonsoir encore. C'est encore avec même plaisir, même contentement, même détermination, nous sommes là encore une fois pour nous partager bon genre d'informations qui ont dominé l'actualité en pays d'Haïti. Nous connaissons ça fait quelque temps, problème d'insécurité a toujours avalé le terrain, bord et pas bord, en pays d'Haïti. Eh bien, après étudiant, jeune étudiant, tu fin perdu la ville dans le week-end qui se passe là. Eh bien, porte-parole là, Michel-Henri Jeune, tu as bail détail sur tout ça qui a dominé l'actualité et sur enquête qu'il a fait pour rejoindre qui policier et il dit qui arrivé à assassiner un jeune étudiant ça. Eh bien, porte-parole Michel-Henri Jeune, lui-même, tu as bail détail sur information si là. Mais n'a pas invité au support qu'on fait ça ou qu'on fait ça qu'on y a. Abonnez avec Production TV, activez le cloche pour qu'on recevoir toutes notifications à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si toutefois tu fais ça déjà, n'a pas merci parce que déjà choisi un meilleur canal pour informer. Et bien, support qu'on fait ça déjà, n'a pas fait ça qu'on y a. Abonnez, activez le cloche pour recevoir notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et bien, j'en te donne un commencement vidéo. Enquête qui a commencé à mener sous dossier et jeune étudiant ça qui perdit la ville et mal côté policier qui arrivé assassiné en bas coup de balle. Et bien, Michel-Henri Jeune lui-même, lui fait qu'on est hier qui c'est lundi 5 octobre 2020. Et bien, yo kembe en pile moun, en pile munitions, en pile zam qui tap débarqué dans ville Saint-Marc. Et bien finalement, yo mette la patte sur en pile nèg qui tap pote zam ou pa konnen si te pote bay chef gang Odma. Et bien finalement, la police mette la patte sur. Et bien en attendant de Gary de Rozier qui tap bay détail pour plus d'informations. Dik ma tap bay bon kout men konsa tou, nan pa ke poto pou sou zan. Man, bon gang lik man di pati ya, bon mwen te pe pou li. Mwen de eske la ptou rebe nan koumine nan? Gep noa. Ah, mse de pati yon gep noa nan koumine kafou. Yon ek sa w konouman yon fonksyonè men, yon rete sou pie bwa, yon meton amak, ebi yon kouche, ebi yon kontrole moun, yon te nan la man, yon la man, yon fon la man, menm yon avek la man pa nou la, yon la man. Di maten, den mse di travay, red, di travay. Se natu se bay rezultat ou nan pa kepo nou pres? Eh? Non, se natu se goun lot angle men, detale nan, pizou, rivalite. Oui. Yon yon moun ka pou mèd deti moun. Fak sa misyo komisyen gouvernement men. Se chef de la poussouit, mèd de l'aksyon vivi. Komisyen gouvernement lou yon nan gomen? Sa vizi gè de batay, fok nou tre nan batay. Men komisyen gouvernement yo, tout depan de tempéraman yo. Oui. Ouais, e pou te tempéraman yo nan job la. Mwen gen den yon gran fichou kon lot. Oui, par exemple. Commissaire là, il est capable d'être travail, mais tempérament le fait que c'est pas on est capable de parler dans la presse. Oui, on n'a pas senti ça l'a fait. Mais la presse, c'est le nègre qui a parlé, il a travaillé, ou bien le nègre qui n'a pas parlé, il a travaillé. Il y a un nègre qui m'a quitté œuvre, il est passé. Et chaque ça le fait. Il y a un nègre qui travaille, tout qui n'a pas vendu œuvre. Mais nonobstant que Gabriel, Chap Gamel, Chap Gamel, on peut parler le matin avec porte-parole sur la police, non, Michel Ange Jeune. Nous arrivons journée okay. Par rapport avec l'incident hier, également une opération saisie d'armes qui fait dans CEMAC, mais comme nous avons parlé la matin, oui. Sous question de monde qui dit des autres qui la gagnent après uniforme la police. Après uniforme la police là. Et pour parole, on peut réagir sur question ça, monsieur, quand vous avez le journal la matin. On salue Odessel, on salue Bob. On salue Pierre Brunel, on salue toute l'équipe là. Donc, on est bien content et on a fonctionné par les matins. Bon, on attend des réponses si j'en ai là, mais on a essayé de répondre, ça nous a répondu. Oui, nous n'avons pas vraiment proposé une question, mais nous disons, est-ce que vous avez des début journal là, côté nous avons mis accent sur des gens qui ont kidnappé, qui dit c'est des gens qui habillent avec de la police qui ont kidnappé. Et il y a un policier que nous avons reçu tout à l'heure qui a parlé lui-même que. Et le problème, ça a toujours arrivé, parce que c'est chaque policier qui met le coup, mais Jean-Jacques, fait uniforme. Voilà.
Moi, pas attendre le journal là au commencement, malheureusement, mais nous connaissons que le phénomène kidnapping là, et ces jours-ci, les gains ont remonté. Donc, la police, la direction centrale de police judiciaire, en tout cas, et recevoir plusieurs plaintes, et il y a plusieurs victimes, donc il y a plusieurs paroles qui parlaient, et ils parlaient de bandits, et qui t'a mis des uniformes la police sous lit, et direction centrale police judiciaire, recevoir ensemble de plaintes à eux, et il y a des machines tout, qui ont signalé, nous rappelons, quelques temps de cela, et t'es bien ensemble de machines et qui ont été signalées et que la police te travaille sur eux, qu'ils ont été arrivés et interceptés, qu'ils ont été arrivés arrêtés. Donc voilà, ensemble d'informations ça y est, on arrive à joindre les directions centrales de police judiciaire. Donc notre travail sur eux en temps et lieu pour nous capables d'arriver et intercepter et machines ça y est, les gens qui abordent et libérer des otages qui sont capables de faire. Pour question uniforme là, donc policier met en pile accent, il dit c'est désordre total capital, l'institution a été engagée davantage pour bien contrôle uniforme yo et pour éviter que l'uniforme de la police là pas tenir la boue comme ça côté mon a fait kidnapping avec uniforme de la police nationale sur yon. Bon, écoutez, quand bien yon fait qui produit et éventuellement ou pas qu'à anticiper sur tout ça qui a passé. Et ou par contre, ça va le passer dans les heures qui sont arrivées là. Mais là, on est arrivé, et l'information est arrivée, vient de joindre et responsables, et différents responsables des juridictions et des structures centrales en, dans la police là. Et voilà, information est arrivée, la travail sur eux. Et quand nous arrivons à arrêter les gens qui ont pouvoir, soit de près ou de loin, et dans ça, donc les gens nous habituent à faire, l'opinion publique a informé, et a présenté l'opinion publique, a informé, a connaît, a dit phénomène maintenant, et mais ça lié, puisque nous n'avons pas gagné ça avant. Voilà que le rivet qu'on y a, donc la preuve est jolie. Et suite à des mouvements de protestation, il y a eu un monde qui mourit, et il a prêté la police du doigt, tout ça qui vivait dans l'école normale supérieure, côté, il a parlé de agent USGPN qui t'a impliqué dans l'assassinat des étudiants. Nous t'ai déjà parlé de l'enquête qui l'ouvrit, mais qui pourrait enquête ça y est, porte-parole. Nous sommes intervenus sur ça déjà, sur la mort étudiant, et ils ont fait que la police nationale l'a déploré, et qui était présenté sympathie, et by famille étudiant, by étudiant de l'école normale, by communauté universitaire, là, dans l'assemblée, et souvelé, by société, et depuis le jour, et la police l'a déjà intervenu, et à travers l'inspection générale, qui était saisie, et des dossiers, et nous remarquons que c'est pas seulement la police qui engage l'encadrement pour ça, et puisque quand ils ont fait commettre en dans la société, et qui dérange l'ordre sociétal, et que c'est chaîne pénale là dans l'ensemble qui mettait l'embranle, et nous, ouais, commissaire gouvernement, pré-tribunal de première instance dans la juridiction, et nous t'attendons hier sur Radio Caraïbe et plusieurs stations radio en de la capitale là, et qui montrent engagement parquet dans le cadre d'enquête. Ça, c'est pour moi que c'est société à travers institutions, différentes institutions qui mettent d'accord pour réagir et par rapport à drame ça. Mais cependant, étudiants, ensemble, société à tout, à d'accord, c'est pas dans crasé brisé, et c'est pas dans boule les machines, et que solution a venu, puisque nous sommes d'accord que ça n'a pas forcément apporté résultat. Mais nous, hier, nous assisté que différents groupes de monde étaient près la rue, bien bonheur, aux environs de 10 heures comme ça, et près la rue, ils étaient bien possibles. Et machine l'état, ça qui vient plaque l'état, et même vandaliser, craser, incendier, et pas moins de 16 véhicules, et 8 véhicules brûlés, 8 véhicules vandalisés, crasés, vitiaux, etc. Donc, nous devons attirer attention, quel que soit le groupe, et qui prend la route pour manifester son droit que nous gagnons.
manifester dans les meilleures conditions. Et même après appeler autour, et craser, bouler, et pas voulu dire manifester, écraser, bouler, vandaliser, pas voulu dire revendiquer droit, et parce que manu droit, c'est pas dans la violence, c'est pas dans la violence que on a besoin de droit. Et au contraire, c'est persister, c'est mettre tout ça dans la main, on sa société à bas ou en termes légal, et pour permettre que ou joindre droit ou collaborer avec l'institution en dans le pays qui pour permettre et que droit ou garantir. Voilà. Merci un peu. Avant ça, pour parole, vous avez parlé de saisie qui fait dans la douane Saint-Marc, c'est ça? Saisie d'armes. Alors, par rapport à phénomène et ZAM qui a débarqué dans le pays et chaque jour, et guerrier tout seul, donc, nous avons parlé ça dernièrement, nous dit que la direction générale de la police a lui-même réagi par rapport à phénomène ça, et tant en amont qu'en aval. Alors, en amont, c'est faire des opérations ciblées et qui permettent que arriver à arrêter des bandits. Et alors, en aval, c'est faire des opérations ciblées qui permettent d'arrêter des bandits. Mais en amont, c'est permettre à ce que les armes yo empêchent yo arriver dans mes bandits. Yo. Et que nous rappelons récemment, pas moins de 5 armes de guerre été saisies. Et pas moins de 3377 cartouches qui t'apprêtent à aller dans mes bandits. Et dans zone et la police avec autorité douanière et autorité judiciaire dans Saint-Marc et saisi. Et depuis là, c'est presque chaque jour et des munitions et d'armes à saisir. Et hier, par exemple, et pas moins de 437 et munitions été saisi, donc nous avons gagné, j'en ai dit dernièrement, pour nous faire un zoom, pour nous présenter pendant une période de temps, nombre d'armes et de munitions qui saisit et dans Poyo et Ayopoyo, et plus précisément et dans Saint-Marc, où nous avons plusieurs bateaux et qui ont débarqué pour des armes et des munitions. Donc voilà, la police continue de concert, bien sûr, avec autorité douanière dans la juridiction et autorité judiciaire, yo, à continuer série d'opérations. Yo, et j'aime dire là, hier, c'est pas moins 437 munitions qui arrivaient saisies dans Saint-Marc. Voilà. Merci un peu, le porte-parole, Michel-Ange Lejeune, porte-parole, institution, la police. Là, encore, on a dit félicitations à l'agent douanier, parce que ah oui, fois, c'est bien frappé comme ça. Hein, une croise en pile dernièrement qui dit, qui demandait pour PM, non, gouvernement, penser à Kyoto. C'est ça. Parce que c'est un peu le sacrifice les managers des opérations SAIO, donc ils ont besoin plus d'encadrement. ZAM à 4 chauds, ils ne sont pas les têtes, ils ne sont pas les mouté bateau, ils viennent atterrir dans le port. Il y a un monde qui a l'acheté, il y a un monde qui a l'acheté qui fait commande là, ils ont adresse aux États-Unis. Donc, Jean, pas de parole là, dit question ZAM, c'est solution amont plus aval. Si c'est solution aval qui va faire, c'est l'eau ou la beauté n'a pas un PC. Parce que ça va saisir cartouche, ça va saisir armes, mais ça va brûler. Il y a un monde qui a voué. Il a toujours un cob pour voué Bali pour l'acheter. Il a empêché de rentrer. Et il y a voué acheter. Il a toujours un cob parce qu'il a fait kidnapping, il a saisi camion marchandises, il a fait braquage sur le monde qui a sauté la banque. Il y a toujours un cob. Il a toujours mobilisé le monde pour acheter pour eux. Donc, c'est non seulement saisir armes à cartouche, il faut aller connaître joindre l'État haïtien, bah connait qui utilisation a fait de yo à bon ou à mauvais haïtien, mais en pile là-dedans qu'on mal utilisé tout guerrier. Pas trop longtemps on tendait un chauffeur, un commissaire gouvernement t'a vendre armes au caï. Ça yo c'est coordonné, il pas vrai. Donc n'a plein la police n'a pas gain matériel, la police n'a pas gain armes. Par contre qui ça nous pral fait les nous saisir armes ça yo? Ces armes qui poko utiliser, ces armes tout neuf nèg yo acheté pas vrai guerrier, c'est des munitions et pas quoi bouler pral bouler. Nous déjà pas gagné pour une opération. C'est servi avec propres armes négligées et achetées, propres cartouches négligées et achetées pour attaquer. Avec la bine du matériel, la police pas gagné ça, la police. Mais quoi pile bas, il n'a plus de saisir. Ça nous parle. Est-ce que vous comptez? Ça nous parle. C'est ça, madame, mais qu'on est. Donc, je vous le dis, opération, là, saisir, c'est aval. À moi, c'est chercher et qu'on paie bien qui Miami. Qu'à l'acheter qui voulait le bateau, il y a une adresse.
service Interpol, la police nationale, la justice haïtienne, nous prenons servi avec autorité d'outre-mer à l'étranger pour aller adresser ça pour nous. Parce que gros malveillant qui cachait le bois, et c'est même malveillant ça qui a écrit en bas live de YouTube, parce qu'il y a vu, parce que nous dénoncer ça, il n'est pas bon pour nous. Gros malveillant qui a acheté des âmes pour vous, et bien, on s'est dit, monsieur, dans le quartier populaire, pour poursuivre pour nous. Il y a là, dans l'adresse, il y a un côté papier. Parce que là, on s'est Zamio n'a pas eu guerrier. Yo joine preuve nation pas vrai. Yo joine qui est-ce qui veut venir pas vrai. Yo joine qui va te venir. Eh bien nous saisis Zam nan là, nous quand même camper conférence ça pour qu'on faire scoop avec lui pour l'autre nèg là pas chapper l'autre bois nous l'autre adresse et puis nous dans relation la police là et avec service Interpol n'a chercher nous ça. Et puis Gounia nous doit faire pimper le ban nous les jugements avec toutes amis, les anapkoun qui est-ce qui est commandé, si n'a pas ça en bas code, si n'a pas l'acheté, en bas code, peut-être ça l'acheté ou ici, les n'a pas fait kidnapper ou des amis, ou bien code nommé, ou pas de venir ça ou acheter pour vous, les abgé moins zam, abgé moins katouche, que ça nous est les solutions à moins. Et un van, d'accord? Très bien. Plusieurs fois, la police a présenté cartouches, je saisis, oui. Mais va en présenter. Est-ce qu'elles ont big poté au vide? Est-ce que c'est fantôme qu'elle a acheté? Il dit le fantôme pas trop bien. C'est tout l'exemple, je suis venu là. Est-ce que l'homme n'a pas de fantôme? Le fantôme, ça n'a pas. Est-ce que c'est son big acheté? Mettez dans le bateau pour te venir ici. Mais ça n'a pas de fantôme. Mais de façon, vous allez arrêter ton green neck. Tout l'exemple, bambi de Miami. Qu'est-ce que ça a mangé dans l'agent kidnapping? Qui je connais, moi, j'ai l'agent kidnapping? Il faut me dire ça. Si monsieur là, qui a fait chez le avec pile belles âmes, ça fait belle photo, c'est n'est-ce qu'on a acheté pour vous? N'est-ce qu'on a un travail là-bas? N'est-ce qu'on a un travail? Mais ça va faire, il y a des Valérie, il y a des Bob, ou bien il y a des blagues, on fait commentaire là, pour démoraliser nous. Parce que automatiquement, on est là, on démoralise. Parce qu'on ne peut pas entrer, on ne peut pas entrer pour éclairer la police là, pour faire le coup, pour chercher malveillance à eux. Après tout, on va mettre malveillance à un bac de capacité de l'amour et venir nous faire carrer nos ananas. L'amour étudiant Grégory Saint-Hilaire à Gbal dans l'école normale supérieure, vendredi 2 octobre 2021. Étudiant de l'école normale lui a exprimé colère, frustration et même indignation dans la rue Port-au-Prince hier lundi 5 octobre 2020. Étudiant en dans l'école normale lui, il a fâché, il a montré ça. Il était encore les mêmes contre agent USGPN qui t'a tiré étudiant avec un balle dans le dos. Un jour après la mort de Saint-Hilaire, dans la bibliothèque l'école normale supérieure. L'école normale, qui c'est symbole résistance face avec régime tête calée, deuxième version, menacé pour poursuivre avec mobilisation pour demander aux autorités concernées de prendre responsabilité. Reportage Jean-Paul Lundi. Voilà, mesdames et messieurs, je ne peux pas vous souvenir, c'est comme ça, c'est comme ça, porte-parole, la Gary, Michel Aïlougène, lui-même, il a fait des détails sous toute munition, zam qui a entré illégal en Gabéia, et bien, en plus, le monde commence à arrestation, qui a acheté des armes dans le pays, les États-Unis, pour vous transporter en Haïti pour aller vendre. Et bien finalement, en pile, on a commencé en bas côte. Et bien c'est tout détail que nous avons pour porter pour une vidéo. On a demandé au cas continuer partager la vidéo, like, toujours par suggestion. C'est cette façon au cas aider nous avancer pour nous aller plus devant. Merci à chaque monde qui était pour patience pour te garder la vidéo ça.